بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avec toutes les attaques et les diatribes qu'il a subies tout au long de son histoire et qu'il subit toujours, nous nous demandons par quoi l'islam a pu et peut toujours subjuguer et fasciner les non-musulmans. Ces non-musulmans qui, en définitive, se convertissent à l'islam. Ce que, bon, on parle ici de conversion, mais il serait plus juste de parler d'accomplissement, parce qu'il s'agit d'un cheminement qui obéit au même système auquel obéissaient toutes les religions célestes révélées successives. Donc, par quoi l'islam a-t-il pu subjuguer des gens dans les siècles passés, et par quoi subjugue-t-il actuellement? Et en posant cette question, nous aurons matière à peut-être à faire un travail sur nous-mêmes pour arriver, nous aussi, à faire le meilleur des appels à cette religion de Dieu. Pour parler de tout cela, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous ce soir Monsieur Mohamed Bardouane et Monsieur Boujnoun du Haut Conseil islamique. Je commencerai donc par vous, Monsieur Bardouane. L'islam. Moi, je connais l'islam. C'est une religion qui me plaît, mais qui ne plaît pas à tout le monde. L'islam existe depuis 14 siècles. Sa progression a été constante. Il y a toujours eu des ennemis confirmés et jurés de l'islam qui se sont convertis à l'islam. Nous en avons nous avons des milliers d'exemples dans ce sens. Alors, qu'est-ce qui fait... qu'est-ce qui caractérise l'islam par rapport aux autres religions, ou qu'est-ce qui fait de l'islam une religion qui peut susciter l'intérêt plus que d'autres religions? Évidemment, vous avez des peuples entiers qui sont arrivés à l'islam très rapidement, en particulier lorsque leurs chefs ou leurs souverains sont convertis à l'islam. Vous savez que c'est un fait historique avéré dont ont parlé les spécialistes en histoire sociologique, que souvent le comportement du chef influe sur le groupe. Oui. Et souvent, lorsqu'un roi ou un souverain se convertit à une religion, et c'est vérifié aussi pour le christianisme, vous avez l'ensemble de sa population, de gré ou de force, à un titre ou à un autre, se convertir à cette religion. C'est l'exemple de Constantin qui a choisi au IIIe siècle le christianisme comme religion. Alors on se pose la question aujourd'hui, est-ce que c'est le christianisme qui s'est romanisé ou c'est Rome qui s'est christianisé? On le sait, tout le oui. débat est encore là. Oui. Donc vous avez des populations entières qui sont arrivées à l'islam. Dans la péninsule arabique, les faits au niveau de la Syrah, c'est-à-dire le parcours résistentiel du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, vous avez des chefs de tribu ou des hommes éminents dans leur tribu ou dans leur arche qui se sont convertis et qui ont influé de manière rapide sur l'ensemble de leur groupe social, tribu ou arche, etc., et qui se sont convertis à l'islam. Parce que cette notion a peut-être tendance à s'estomper aujourd'hui, mais il faut se rappeler qu'à travers l'histoire, et ça reste encore valable dans certaines régions du monde, y compris parfois dans certaines régions d'Algérie aussi, hein, oui. où vous avez des hommes en particulier qui sont des pivots au niveau de leur société, qui sont des références au niveau de leur société, et les gens calquent leur comportement sur leur... leur chef moral, spirituel ou politique et militaire, etc. Il y a des régions entières où il suffit d'être en bon terme avec le chef pour que vous ayez un blanc-seing ou un visa, comme vous le direz, dans toute la région, parce qu'il a donné ordre à tous ses adeptes ou à ses élèves ou à ses émules ou à ce que administrés, etc.
de vous laisser en paix et de vous laisser parcourir leur région. Mais vous avez, et c'est ça peut-être le sujet de notre propos d'aujourd'hui, vous avez à titre individu un certain nombre de gens, dont beaucoup de gens éminents dans leur pays, spécialistes dans une science particulière, qui sont arrivés à l'islam, parfois de manière étonnante. Et là, il faut l'avouer, dans tout ce que j'ai pu rencontrer, dans tout ce que j'ai pu lire, dans tout ce que j'ai pu y avoir, etc., les parcours sont tout à fait différents. Chacun est venu, la lumière a jailli dans leur conscience et dans leur cœur à cause d'un fait D'un qui... détail par D'un détail, moment. oui, d'un détail, parfaitement, parce que peut-être que ce détail n'a pas attiré l'attention de quelqu'un d'autre assis à côté de lui qui aurait vu la même chose. Par exemple, lorsque vous avez quelqu'un qui est devenu le premier ambassadeur du Pakistan à l'ONU, qui était un juif d'origine autrichienne, qui s'appelait Léopold Weiss et qui est devenu Mohamed Assad, Oui. au début, Celui-là même qui a écrit le chemin à la Mecque, le chemin de la Mecque. le chemin de la Mecque. Alors, le chemin de la Mecque, il vous raconte comment qu'il Il a est, traduit le Coran aussi. il en est arrivé à l'islam. Il devait rendre visite à son frère qui était fonctionnaire au niveau de Al-Quds, Jérusalem, qui n'était pas encore dans l'état d'occupation actuel de la part d'Israël, puisque c'était au début du XXe siècle. Alors, il devait prendre le train, ça existait, entre le Caire et la Palestine. Oui. Arrivé vers l'heure de midi, les gens qui étaient présents dans son compartiment, la majorité des Arabes, soit égyptiens, soit palestiniens, etc., ont sorti ce qu'ils avaient comme victuailles, parce qu'on n'allait pas au wagon-restaurant, Oui. à manger ce qu'on avait emporté avec soi. Et donc certainement un peu de pain, un peu de fromage de l'époque. Hein. Oui. Et ce qu'il avait étonné, c'est que les gens avaient le sentiment de la nécessité de partage. Personne ne mangeait tout seul. Il proposait le peu qu'il avait aux gens qui étaient assis à côté de lui dans le compartiment. Donc ça l'avait vraiment frappé parce qu'il venait d'un pays où il disait les gens ont été un blafard, chacun retiré sur lui-même. N'ayant aucune conscience des gens qui sont autour de lui, sauf les rapports nécessaires par économie ou par politique ou par intérêt, etc. Il arrive à Al-Quds, il prend une petite chambre qui donne sur un marché populaire, hein, un souk, comme le disent même les Français, etc. Et puis, à un moment donné, il y a l'appel à la prière. Alors, à l'appel de la prière, ils voient que tout le monde, tous les commerçants quittent leur échoppe en mettant soit un ruban, soit une barre en bois, etc. Et Pour indiquer ils laissent leur que étalage, ils ne oui. sont pas là, ils laissent leur étalage, ils vont faire leur prière, ils reviennent. Et cette simplicité, voilà. Beaucoup de gens sont arrivés à l'islam quand ils ont vu la simplicité de la pratique musulmane. D'autres, évidemment, suite à des études profondes, ils ont été convaincus par la limpidité, la clarté, la netteté du dogme musulman, où il n'y a pas Il d'effort n'y a pas de mystère, il n'y intellectuel a à pas de. faire, particulièrement pour essayer d'imaginer que 1 égale 3 et que 3 égale 1, ça n'existe pas en islam. L'islam, de bout en bout, va justement vous démontrer que 1 ne peut pas être autre chose que 1, et par conséquent, un esprit bien disposé. Les personnes qui se sont, en général, vous en avez parlé, vous en parlerez dans une deuxième émission, les gens qui ont refusé le message de l'islam, c'est soit des gens qui avaient des intérêts à défendre, c'est le cas de Quraysh d'abord, Oui. qui avait des intérêts parce qu'elle était gardienne du temple, et puis elle tirait un profit matériel important du pèlerinage au temple de la Kaaba qui se faisait même avant le message de Mohammed Ali sallam. Et puis vous avez les tribus juives qui avaient aussi, parce qu'elles jouaient un rôle économique important sur la péninsule arabique, elles ont senti, alors qu'elles avaient notion de l'arrivée du prophète Du Mohammed Ali dernier des sallam, messagers, et ils oui. se sont opposés pour des intérêts économiques importants, et des intérêts certainement aussi politiques, parce que Oui. les chefs de la, pas de l'église, mais de la synagogue hébraïque ne voulaient pas, les gardiens du temple, hein, Oui. juifs, ne voulaient pas, si vous voulez, comme ils l'ont fait pour Sidna Issa, Alayhi Jésus-Christ, ils l'ont salam. refait pour Mohammed Ali sallam. Par conséquent, et Pour puis il y a des. Jean-Baptiste aussi, hein, Zacharie et Ouais. Yahya. Et puis Donc. vous avez des gens qui ont ancré dans leur personnalité
des penchants vers ceci ou vers cela, et ils apprennent que l'islam interdit ça, par exemple, ils vont, par exemple, il interdit la tyrannie, il interdit le vol, il interdit la prostitution, il interdit la consommation d'alcool, par exemple, etc. Et tout ça, c'est non seulement à l'encontre de leurs intérêts peut-être matériels, mais également à l'encontre de leurs habitudes, et ils vont se révolter contre ça. Mais l'ensemble des gens, l'ensemble des gens n'est pas dans ce cas-là. Au contraire, ils vont trouver que le message de l'islam est en totale conformité avec ce qu'ils vous diront, ce qu'ils recherchaient vainement depuis 20 ans, 30 ans, 40 ou 50 ans, que ça leur a permis de s'accomplir en tant qu'individu, avant de parler de groupes sociaux, etc. Par conséquent, et chacun va cheminer personnellement, parce que nous avons une notion qui est dans le dogme musulman, c'est que la bonne guidance, l'hidayah, elle ne vient que de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair. Ça n'est ni notre intelligence, ni notre savoir, ni notre expérience, ni les propos qu'on peut, à droite, à, peut entendre à droite et à gauche, les lectures que nous pouvons faire. Je vous dis, un livre qui tombe entre les mains de quelqu'un, il peut le ressasser 10 000 fois, ça n'attire pas son attention, et puis un autre va une ligne par ça. Je donnerai un dernier exemple avant de me taire. J'avais rencontré, il y a une quarantaine d'années, à Annaba, un inspecteur de l'enseignement technique français qui s'était converti à l'islam. Et j'étais jeune, j'ai posé la question, qu'est-ce qui l'a attiré dans l'islam? Il m'a dit, dans mon travail en tant qu'inspecteur de l'enseignement technique, je suis amené à parcourir les régions de l'extrême-est pour aller dans les lycées, vérifier les programmes, les enseignements qu'on donne, la qualité de l'enseignement, etc. Et par conséquent, je peux faire des dizaines de kilomètres. Il m'a dit une fois, j'ai vu quelqu'un dans un champ, complètement isolé, la personne, un fellah, dans un champ, en train de faire ses travaux ruraux. Et puis à un moment donné, je le vois en train de faire sa prière. Il n'a ni évêque devant lui, ni curé, ni pasteur, ni imam. Il n'a personne autour de lui pour vérifier qu'il est en train de faire sa prière. Il m'a dit, j'ai été frappé par cette communion entre un individu isolé en plein champ et son créateur. Cette honnêteté, cette façon d'agir, parce qu'ils sont habitués au faste de Oui, l'Église, le le protocole, la protocole, liturgie qui la liturgie accompagne et toutes peut-être les même la musique qui est l'activité, donnée oui. par l'orgue, etc. Alors que là, vous avez quelqu'un, il m'a dit, personne ne va lui faire de va lui dire de proposer des mots Ni de louange, remerciement, ni ni louange, rien, ni quoi que ce c'est-à-dire que soit, oui. isolé dans son champ, sur la poussière de la terre, en train de faire ses génuflexions, etc. Il m'a dit, c'est ça qui a fait que je devienne musulman, parce que j'ai compris que c'était la sincérité dont nous avons parlé, la sincérité totale entre un être et son créateur. Très bien. Alors, Monsieur Boudjoun, un point très important vient d'être évoqué par Docteur Berdouane, la simplicité du culte. Nous avons déjà la première chose qui a attiré beaucoup, beaucoup de gens, c'est qu'il n'y ait pas de mystère dans la religion ou dans le dogme musulman. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين tout d'abord vous avez bien dit dans votre introduction que les Occidentaux ne veulent pas parler de conversion. Ils préfèrent dire reconversion plutôt. Oui. Donc ils étaient déjà musulmans. Les Occidentaux qui se convertissent. Bien sûr, ils sont revenus à Oui. l'islam qui est la religion. Qui est la religion naturelle, comme tout un chacun le sait, c'est la religion primordiale. Donc, je me souviens que Eva de Vitré, Meirovitch, rahimahullah, qui était musulmane, qui était la traductrice attitrée de Jalaleddin Rumi et de Mohamed Iqbal, on l'a interrogée un jour sur les causes de sa reconversion à l'islam. Elle a dit, vous voulez que je revienne à Newton et que je laisse Einstein. Elle leur a cité un exemple sur la physique. Donc Einstein il est plus actuel Que Newton. qu'Isaac Newton, bien sûr.
Elle leur a dit, en revenant à l'islam, en me reconvertissant à l'islam, je n'ai pas abandonné Jésus et Moïse et les autres prophètes. C'est ça la particularité de l'islam. En devenant musulman, on continue à croire en tous les prophètes. Un juif, Dr Ben Radon a cité Léopold Weiss. Léopold Weiss, Rahimallah, qui était juif, autrichien. Il est devenu musulman, mais il n'a jamais abandonné sa foi en les autres prophètes bibliques. Oui, effectivement, la simplicité du dogme de l'islam, dépourvu de tout mystère, est une des causes qui attire beaucoup d'Occidentaux à l'islam, et entre autres causes aussi. Moi, j'ai étudié beaucoup d'exemples, beaucoup de récits d'Occidentaux qui ont embrassé l'islam. Et je peux vous dire que, à mon avis, on peut trouver trois causes principales. La première, c'est les gens qui étaient déjà des religieux, que ce soit des juifs ou des chrétiens ou des Déjà, frères. ils ont déjà une pratique Absolument. religieuse. C'est des hommes, par exemple, des hommes Oui. d'église. Nous avons plusieurs exemples et qui sont très anciens pour certains. Comme par exemple le cas du prêtre Anselme Turmeda, qui est un prêtre espagnol, qui a embrassé l'islam au XIIIe siècle, je pense, et qui a vécu à Tunisie. Il est devenu, on l'a appelé Abdullah Torjomen, il est devenu le traducteur du sultan de Tunisie. Il a embrassé l'islam, il a écrit une réfutation. Du christianisme, du dogme chrétien, Chrétien. de la Trinité, de la soi-disant crucifixion de Jésus Jésus, allait ça. alayhi salam. Nous avons aussi un grand pasteur de l'Église protestante qui s'appelle Adam Neuser, qui a vécu au XVIIe siècle, si je ne me trompe pas. Lui aussi, Bien. il a embrassé l'islam après une étude approfondi des religions. Il a vu que le christianisme ne répondait pas à ses aspirations, qu'il était contraire à la logique. Donc il a embrassé l'islam et s'est enfui parce qu'il était menacé par l'Inquisition. Donc il est parti vivre à Istanbul et il est mort en Turquie. Nous avons aussi un cas d'un prêtre qui est mort en 88, rahimahullah, qui s'appelle l'abbé Jean-Marie Duchemin, qui est très connu à Paris. C'était un prêtre qui travaillait avec les immigrés nord-africains. Il leur rendait service, il leur Il était, écrivait des oui, lettres. dans Voilà. le Donc, social. bon, c'était dans un but de prosélytisme. Et, Oui. mais il a fini quand même par se Il est convertir fini. à l'islam. Il est mort au Maroc. Il a insisté pour être enterré à Rabat, si je ne me trompe pas, ou à Marrakech, En terre d'islam. dans un cimetière musulman. Donc, nous avons aussi une autre cause qui est celle de la certitude des musulmans. Beaucoup d'Occidentaux, justement, se posent des questions sur cette certitude qui caractérise les musulmans en général. Les musulmans. Un musulman a une foi, mon Dieu, très, 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 très solide. Un musulman n'a pas peur de la mort. Un musulman n'a pas peur de la misère. Je parle du vrai musulman. Il n'a pas peur de la misère. Il met toujours sa confiance en Dieu. Entre autres, justement, savants occidentaux qui ont embrassé l'islam à cause de cette certitude, de cette foi très profonde des musulmans. Nous avons l'ancien ambassadeur allemand à Alger, Mourad Hoffmann, Mourad Hoffmann. justement, qui a dit que j'ai embrassé l'islam en voyant comment les Algériens avaient résisté au colonialisme français.
avec cette foi, cette certitude qui leur a permis de remporter leur victoire. Nous avons aussi un historien très connu d'origine polonaise qui s'appelle Bogdan Kopanski, qui s'est converti aussi à l'islam. Justement, il a dit c'était grâce à la lutte du peuple algérien. J'ai lu sa biographie, il a dit c'est grâce à la lutte du peuple algérien et à sa résistance qui était inspirée par l'islam, par sa foi en l'islam. Il s'est converti à l'islam. Nous avons aussi un Français qui s'appelle le docteur Thomas Mielsen. C'est un jeune médecin qui a la cinquantaine, je pense. Et il a embrassé l'islam alors qu'il était en Afghanistan, dans le cadre de Médecins sans frontières. Donc il a vu la foi des Afghans, comment ils ont résisté aux Russes C'était une guerre communistes, terrible. voilà, exactement. Et il était ébloui par cette foi profonde et il a fini par embrasser l'islam. Et nous avons la troisième cause, qui est celle des savants. Des savants, c'est-à-dire des scientifiques qui ont vu, après étude du Coran et de la Sunna du prophète, qu'en islam, il n'y a pas une contradiction entre ce que dit le Coran, les versets du Coran, et la science, entre les découvertes scientifiques. Nous avons beaucoup d'exemples à ce sujet. Notamment le savant physicien tchèque qui s'appelle Milan Schultz, qui a embrassé l'islam il y a une dizaine d'années au Koweït, au cours d'un séminaire sur Les Hadjaz, l'Hijaz, exactement, sur le miracle. l'insupérabilité du Coran et oui, Exactement. Nous et de la avons tradition. un grand mathématicien américain qui s'appelle Long, comme ça, Long, Johann Long, si je ne me trompe pas, qui a embrassé aussi l'islam grâce à son étude du Coran. Nous avons aussi un grand mathématicien canadien qui s'appelle Gary Miller. Qui est devenu actuellement, c'est. Exactement, il a Oui. un site. Il a un site, il appelle même à l'islam. Il est devenu un prédicateur musulman très connu aux États-Unis Et au Canada, et au Gary Miller, Canada. oui. Nous avons aussi, si vous permettez avant de finir, nous avons aussi la voie de la spiritualité musulmane, qui est le soufisme. Oui. C'est une voie qui a amené à l'islam des dizaines, sinon des centaines d'Occidentaux à l'islam, notamment l'école de René Guénon, Abdelwahid Yahya rahimahullah. Il y a Penaud aussi. Oui, Dominique Penaud qui a traduit le Coran. Il vit actuellement à Paris, que j'ai eu l'honneur de rencontrer. Et nous avons aussi Martin Lenz, Rahimallah, qui est un Anglais. Il a écrit la plus belle biographie du prophète, Merci. la vie de Mohammed d'après les sources les plus anciennes. C'est la meilleure biographie du prophète écrite par un Maintenant. Occidental. Et la liste Il est est très très long. longue. Voilà. D'accord. Esmahli, je voudrais ajouter quelque chose parce qu'évidemment, en s'entendant parler les uns les autres, on se rappelle un certain nombre de faits. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de non-musulmans qui ont assumé ce retour à l'islam, cette conversion ou cet accomplissement, etc., Oui. Vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis de leur société, vis-à-vis des institutions. Parce qu'il faut l'avouer, ça n'est pas toujours chose aisée. Et Oui. peut-être, je pense que ça n'est pas chose aisée ni en Inde, ni en France, ni aux États-Unis, ni ailleurs. C'est un tremblement de terre dans toutes les familles où il y a eu quelque chose de pareil. Et il a fallu beaucoup de force de conviction à ces gens Pour assumer la chose pour assumer la chose. ouvertement. Mais il y a un certain nombre de personnes qui ont voulu, pour des raisons qui leur sont personnelles et sur lesquelles je n'ai pas le droit de porter un jugement, de faire cette démarche un peu dans la. Pas dans la clandestinité, mais disons en dehors des feux de la rampe. Hein. Alors en 82, j'étais à Alger dans un séminaire sur la pensée islamique organisé par le ministère des Affaires religieuses, et j'étais à 1 mètre de lui,
Et il y avait Maurice Bucaille qui avait écrit La Bible, le Coran et la science. Lorsqu'on est étudiant, on peut se permettre de porter des questions où les plus âgés ne peuvent pas les poser. Parce que lorsque vous avez 20, 24 ans, on peut vous traiter d'insolent, ça ne vous dérange pas. Mais si à 34 ans, vous dites la même chose, l'insolence, ça devient de l'impolitesse. Donc les plus jeunes ont posé la question, et j'étais juste à côté, à M. Maurice Bucaille. Les gens lui ont dit, M. Maurice Bucaille, vous êtes devenu musulman? Alors je vous donne sa réponse telle que mes oreilles l'ont entendue. C'est un témoignage après 30 années. Il leur a dit, avant de lire le Coran, je savais qu'il y avait Dieu. Ashhadu an la ilaha illallah. Après avoir lu le Coran, j'ai su que Mohammed était son prophète. Mohamed Mohammed Si vous permettez, docteur, justement, Rasoul. j'ai un ami marocain aussi qui lui a posé la question quelques années avant sa mort. Il lui a dit, est-ce que vous êtes croyant? Il lui a dit, apparemment, vous n'avez pas lu la Bible, le Coran et la science. Oui. Donc, en lisant ce livre, normalement, Donc il faut vous savoir aurez que il compris. faut savoir que cette catégorie de gens existe et elle est peut-être plus nombreuse qu'on le pense puisqu'elle veut rester un petit Alors, peu. je vais apporter un troisième témoignage qui est celui de Dr Saïd Chiban, Oui. parce que lui, il a le livre dédicacé. Ah oui. Et justement, je lui ai dit, on était dans sa bibliothèque, et la bibliothèque de Dr Saïd Chiban, c'est la caverne d'Ali Baba. On est tenté de voler, hein. C'est clair. On aimerait bien y aller là-bas Le avec Capharnaüm, un. comme Oui, ils disent. oui. Donc, parce qu'il y a de très belles pièces. Et alors, je lui ai dit, justement, est-il devenu musulman ou pas? Il m'a dit, si, et c'est lui-même qui le lui a dit, mais que, étant issu d'une famille catholique Strict. stricte, et oui, c'était des pratiquants aussi, il n'avait d'autre choix que de taire la chose, parce que ça allait peut-être causer beaucoup de désagréments, pas uniquement pour lui, mais pour la famille aussi. Mais le problème, c'est qu'il a été enterré en tant que chrétien. C'est-à-dire que ses proches n'ont pas, pour un problème d'ego, n'ont pas respecté son islamité. C'est ça qui est mauvais, justement Et chez. alors, pour vous donner l'exemple, et les gens qui ne le savent pas vont être étonnés, parce que dans un séminaire organisé il y a 5-6 ans, à l'occasion du Salon international du livre d'Alger, qui avait été dédié à Frantz Fanon, Oui. il y a peut-être 4-5 ans, Oui, et c'est tout, effectivement. Frantz Fanon, même son fils a été invité à Alger. Nous avons appris de la part des Moudjahidines qui étaient sur la frontière tunisienne, parce que Frantz Fanon a été enterré près de la en Algérie, près de la frontière tunisienne. Il a été enterré dans un cimetière musulman selon le rite musulman. Et voilà quelqu'un qui est arrivé justement à l'islam en étudiant comme psychiatre, parce qu'il était psychiatre. En étudiant comme psychiatre, c'est cette psychologie de l'Algérien face en tant que résistant et face aux défis du monde moderne qui sont multiples, avec des moyens matériels très limités. Imaginez les années 50, début des années 60, etc. Parce qu'il est mort juste avant l'indépendance, si mes souvenirs sont bons, Frantz Fanon. Et par conséquent, il avait bien étudié les Algériens. Donc, dans les damnés de la Terre, vous avez beaucoup de cas cliniques qui sont rapportés face aux tortures, face, etc. Donc, il faut savoir qu'il existe tout un monde qui, pour des raisons multiples, ne s'avoue pas musulman, du moins du point de vue social, mais qui le sont et qui sont venus à l'islam, chacun, comme vous l'avez dit, en parcourant son cheminement personnel. Oui, tout à l'heure, M. Boudjoun a évoqué aussi, entre autres raisons, la science. Certains sont amenés justement à comprendre l'islam grâce à la science. Mais à mon sens, ceci ne peut être valable que pour des érudits, vraiment des érudits. Et là, la science elle-même ne pourrait-elle pas constituer justement une dérive dans la mesure où certains de nos musulmans maintenant prennent justement le Coran, pratiquement, étudient le Coran comme s'ils lisaient une revue scientifique. Certains, moi j'ai même vu des gens qui n'ont ni les moyens intellectuels, ni l'expérience nécessaire à la chose, et qui lisent le Coran, qui sont en quelque sorte en quête
du scoop, de quelque chose qui va faire D'une découverte, oui, d'une découverte. J'ai même vu quelqu'un oui. qu'on a orienté vers la vie active en certificat de cours fin d'études, comme on l'appelait avant, et qui me disait, par Dieu, Inch'Allah, je vais trouver l'antidote, enfin le vaccin du sida grâce au Coran. Et il a usé sa cervelle pendant près d'une année, hein, en essayant de trouver quelque chose dans le Coran qui lui permette de... Non, mais il faut le faire aussi. Oui, alors les dérives face Parce que la science, la science et la nous foi. sommes... Attendez, nous sommes, beaucoup de musulmans sont en train de présenter le Coran comme argument scientifique, alors que la foi et la science font bon ménage, mais la foi ne s'explique pas Non, scientifiquement. non, non. C'est pour ça qu'il faut être pas vigilant, mais attentif. Là, c'est comme si vous voulez mesurer le poids d'or en or. D'une boucle d'oreille avec un matériel destiné au poids lourd et voir le tonnage que peut présenter un semi-remorque. Donc, si vous voulez, ce sont deux mondes qui ne sont pas différents, qui sont Complémentaire. oui, complémentaires et l'un à côté de l'autre. Alors, vous avez un certain nombre de gens qui ont un certain degré de science, mais ce degré de science les aveugle. De manière à ne pas voir la réalité ailleurs. Ça ne se voit pas que pour la foi religieuse, ça se voit même pour les autres choses. Parce que un véritable scientifique, c'est quelqu'un qui se remet perpétuellement en question et qui se dit, j'ai pu arriver à la compréhension d'un certain nombre de phénomènes maintenant, mais qui peuvent être remis en question dans un certain temps. Isaac Newton a compris ce qu'il a pu comprendre dans sa période, mais grâce aussi à sa théorie, des gens sont venus l'exploiter par la suite, et même s'il la réfute, ça a permis de mettre le pied sur quelque chose de solide pour avancer. Donc vous avez un certain nombre de gens, et qui sont assez nombreux, qui disposent certainement d'un degré de science qui leur permet une activité scientifique dans la société où ils sont, mais qui n'ont pas la capacité de pouvoir voir ailleurs, de pouvoir voir plus profondément, de ne pas expliquer le comment des choses, mais le pourquoi des choses, ils cherchent le pourquoi des choses. Et puis vous avez une deuxième catégorie de gens qui croient que la science peut tout expliquer. Je regrette, chacun dans sa discipline, dans sa spécialité, ne pourra pas tout expliquer. Au contraire, plus on avance dans sa connaissance, plus on a l'impression d'être dans un immense gruyère où vous avez quelques petites parties de chair et puis vous avez beaucoup de trous où il n'y a aucune explication. Vous faites 30 ans de météo, vous faites 30 ans de médecine, vous faites 30 ans de physique, etc. Et puis au bout de ces 30 années d'activité scientifique, vous allez savoir que la somme des connaissances à la disposition des gens, c'est peu de choses par rapport à l'immensité des questionnements qui sont posés par l'être humain. Ce qui revient à ce verset, Et ne puis vous vous a été avez, révélé de la voilà. science Et puis qu'une vous partie avez infime. une troisième tendance qui peut être acceptée jusqu'à un certain moment. Ce sont des gens qui ont déjà la foi et qui vont essayer de la fortifier ou de la réconforter par les éléments qui sont mis à leur disposition, par les découvertes scientifiques. Mais là, le danger où? C'est que d'abord, ils peuvent s'égarer parce qu'ils vont essayer d'appliquer une science qui est matérielle à quelque chose qui est beaucoup plus immense que ce matériel. Je lisais récemment, et je crois que tu l'as lu comme moi, quelque chose qui nous a été proposé par un frère dont nous ne doutons pas de la sincérité, de sa foi, etc. Mais de là à imaginer que les neutrons peuvent être le monde des djinns, Oui. je crois qu'il y a un pas qu'il ne faut pas aussi Franchir, oui. rapidement franchir, parce que qu'est-ce qui nous oblige à matérialiser les djinns? Les matérialiser dans le sens où il faut leur trouver une matière qui corresponde à quelque chose qui est connu de l'être humain matériel. Non? Ils peuvent être faits dans une matière qui est totalement différente de la nôtre. Et Du qui... neutrino. Donc le, et puis, il y a des gens qui, par des choses simples, évidemment, réconfortent leur foi personnelle, le rappellent peut-être aux gens, etc., pour se débarrasser justement de cette peur qui est donnée par la science moderne. Parce que peut-être que les gens ne le savent pas communément, sauf les spécialistes dans un certain nombre de domaines. Si vous écoutez les spécialistes en économie,
Si vous écoutez les spécialistes en démographie, si vous écoutez les spécialistes en politique, si vous écoutez les spécialistes en médecine, les perspectives de l'être humain de rester en vie sur Terre sont bouchées. Parce qu'effectivement, matériellement, où est-ce que nous allons? Et heureusement qu'il y a cet espoir qui s'appelle la foi, qui fait que il y a tellement d'impondérables que les choses n'évoluent pas toujours selon une courbe qui a été imaginée par l'esprit humain. Il y a une science qui s'appelle, dans le monde occidental, la futurologie. On essaye, à partir de données actuelles, de faire des projections sur Sur le l'avenir. futur. Est-ce que nous Perspective. allons pouvoir survivre parce que, il y aura suffisamment d'alimentation sur Terre ou pas? Est-ce qu'il y aura suffisamment d'eau ou pas? Il suffit de lire uniquement quelques articles, hein, sur l'état de la Terre, alimentation, eau, qualité de l'air, etc., pour se convaincre que peut-être assez rapidement, beaucoup plus rapidement qu'on l'imagine, il y aura extinction de l'espèce humaine. Mais lorsqu'on se regarde derrière soi, sur ces millénaires que nous connaissons au moins, l'espèce humaine, grâce à la foi, a survécu à des drames beaucoup plus importants que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Oui. Imaginez une tribu sur la Palestine, telle que c'est rapporté dans le Coran, à sa tête, donc les chefs religieux, Ishaq, Yaqoub, etc., où c'est la disette, c'est la famine, leurs enfants n'ont pas de quoi manger, leurs petits-enfants n'ont pas de quoi manger, ils sont obligés de se déplacer sur des centaines de kilomètres pour essayer d'aller chercher de la subsistance en Égypte, etc., et les possibilités qu'il y a actuellement de pouvoir remédier à tout ça. Les choses ont évolué, la foi permet de libérer. Et c'est paradoxal, la foi est confortée par la science, c'est certain, la vraie science, hein. Mais d'autre part, elle permet de libérer l'individu de ce carcan qui est la science, qui lui impose des limites que la foi ne connaît pas. Absolument. Que la foi ne connaît pas. Vous avez des gens qui ont survécu à des drames personnels, physiques ou psychologiques ou sociaux ou matériels, grâce à leur foi. Et puis d'autres se sont rompus parce qu'ils n'avaient pas cette arme qui pouvait leur résister à un crash économique ou à une perte financière importante ou à la perte d'une personne, etc. Donc, c'est les gens qui sont arrivés à l'islam, ça il faut le rappeler, on ne peut pas donner de recette miracle. Hein. C'est clair. Vous avez quelqu'un, si mes souvenirs sont bons, qui s'appelait Cat Stevens, un célèbre chanteur britannique, qui va lire le Youssouf Coran Islam. dans l'hôpital où il est hospitalisé, offert par son frère qui demeurait dans un pays arabe, etc., et qui va découvrir l'islam avec ça pendant sa maladie. C'est le Plus flash. précisément avec Sourti Youssouf. C'est un flash et ça arrive. Et Avant puis. cela, il a failli se noyer. C'est Voilà. à partir de là qu'il a commencé à avoir la foi. Et puis, sa foi a été confortée par la lecture du Coran. Oui, c'est pour ça que parfois on me pose la question, vous avez des gens qui arrivent à la foi en un instant. Oui. Il suffit d'une image, d'un son, d'une voix, etc., ça suffit. Et puis j'ai vu des gens qui sont arrivés, je me rappelle d'une Italienne qui est venue me voir chez moi ici à Alger, elle a fait 25 ans de parcours. Je ne diminue en rien sa foi. Hein. Elle a eu besoin de 25 ans, parce qu'elle était mariée avec un Algérien, musulman, etc. Et son mari, devant moi, pleurait à chaudes larmes quand il a entendu la prononciation de foi de sa femme. Elle a mis 25 ans pour arriver. Il n'y a pas de recette. Si des prophètes comme Mohammed, des étrangers à lui, se sont convertis totalement en un instant, imaginez ces gens qui. Avant des gens très proches comme Alors Abou que les Lahab, propres, alors que ses oncles le oui, son connaissaient, propre oncle. voilà, ses propres oncles, les gens de la tribu de Quraysh sont devenus ses pires ennemis, ses plus farouches ennemis, alors que quelqu'un C'est le qui Malfarisi, par Salman exemple, Farisi, tout un parcours pour exactement, ou devenir. ces gens qui venaient de la ville de Yathrib, qui est devenue ensuite la ville du prophète Ali, comme délégation de leur tribu, les Haous et les Khazraj, etc., qui ne connaissaient pas physiquement le prophète Ali. Absolument. Rappelez-vous toutes ces traditions que nous lisons dans les traités de hadith, etc., où vous avez quelqu'un qui vient du Yémen ou qui vient d'une province éloignée de Médine et qui cherche où est-ce qu'est cette personne qui dit avoir entendu le message du ciel et qui s'appelle Mohammed. Il ne le connaissait pas.
Et puis arrivé devant lui, certains étaient farouchement, certains le rapportent. Ils disaient que la plus pire personne pour moi, mon ennemi le plus farouche dans mon cœur, c'était Mohamed Ali. Et lorsque je l'ai vu, j'ai simplement vu son visage. Avant qu'il ne parle, tout ça s'est dissous. Et j'ai compris que ce n'était pas le visage de quelqu'un qui pouvait mentir. C'est le cas d'Abu Dhar al-Ghifari, radiallahu anhu. D'ailleurs, il s'est même trompé avec Ali. Il croyait que Ali était le prophète. Donc, si je comprends bien, le fait maintenant même que l'islam, par moment, peut prêter à confusion, est dû en partie au comportement des musulmans. Moi, ce qui m'a toujours étonné dans l'histoire de l'islam, et ça me rappelle ce très beau verset du Coran qui dit ils veulent éteindre la lumière de Dieu avec leur bouche, mais Dieu parachèvera sa lumière. Exactement, déplaise aux polythéistes, aux mécréants. Avoir les choses, mon Dieu, on ne peut pas ne pas reconnaître que l'islam est une religion divine. Parce qu'avoir notre comportement à nous, musulmans, Et le paradoxe qu'il y a entre l'islam, la vérité de l'islam et le comportement des musulmans, je regrette. Moi, si j'étais un occidental, je réfléchirais à deux fois. Sauf, comme a dit Nasser Dindin, rahimahullah, heureusement que j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans. Parce que, franchement, il n'y a pas de quoi attirer des occidentaux à l'islam. Il faut dire la vérité. Nous sommes aux antipodes de ce qu'enseigne l'islam dans notre comportement quotidien, dans nos affaires, dans nos transactions commerciales, dans notre vie familiale, sociale, économique, etc., etc. Donc les années 30, alors que le monde musulman était sous le joug du colonialisme, où des milliers de missionnaires chrétiens partaient à l'assaut du monde musulman pour christianiser les gens, un homme comme l'émir Shakib Arslan rahimahullah se demandait dans son livre pourquoi les musulmans ont-ils régressé alors que les autres ont progressé. Et s'interrogeaient où sont les missionnaires de l'islam, comme ça, où sont-ils? L'islam a failli être effacé de la carte. Mais heureusement que l'islam est une religion divine et que toujours la grâce divine est là pour le protéger et le faire progresser. Et Dieu merci, aujourd'hui l'islam Et la deuxième, sinon la première religion au monde, si on ne prend pas les trois églises chrétiennes ensemble, toutes confondues, sinon l'islam c'est la première religion au monde et c'est grâce à Dieu avant tout, oui. et non grâce à nous, il faut le dire honnêtement. Peut-on compter uniquement sur la providence divine? Ou y a-t-il... Parce que inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafidun. C'est nous-mêmes qui avons fait descendre le rappel et c'est à notre... Et il nous incombe de le protéger. Ou c'est à notre... sa protection, sa préservation est du ressort exclusif de Dieu. Ça, là, il n'y a pas de problème. Non, moi, je vais faire la même réponse qu'Abdel Moutaïb, le grand-père du prophète, quand il est allé chercher ses chamelles. Oui, auprès d'Abraha l'Abyssin. D'Abraha l'Abyssin. Écoutez, je crois qu'on n'a pas interféré. Allah a pris acte de protéger ce Coran, de protéger cette religion, etc. Mais nous avons notre devoir personnel. De protéger aussi les musulmans. Oui. Alors, de transmettre. À partir du moment où on s'appelle Mohamed, Ali, Qaddour, Qouida, Aïcha, etc., Khadija, etc., il faut savoir que ça n'est pas anodin, que nous avons assumé de représenter le prophète, alayhi salam.
Ce n'est pas uniquement des souvenirs d'enfance, mais jusqu'à l'heure actuelle, vous avez des gens dans la société, lorsque vous les voyez, lorsque vous les rencontrez, lorsque vous les côtoyez, ils ont, sans entendre ce qu'ils vous disent. يرفع الآن على مسامعنا آذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي للجزائر العاصمة وضواحيها. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته. حي على الفلاح.
النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. رواه البخاري. Il émane d'eux une sérénité, une sincérité, une foi qui évidemment vous réconforte et vous emmène sur le droit chemin. Alhamdoulilah, nous avons eu le privilège de rencontrer un certain nombre de ces personnes, dont beaucoup sont actuellement décédés. Et malheureusement, vous avez d'autres personnes qui font fuir les gens. Ça, il faut le dire, il faut fuir les gens, oui, de l'islam, de par la leur mosquée, par leur comportement, etc. Par leur paraître aussi. Et je crois qu'ils ne mesurent pas l'importance de ça. Est-ce que le prophète n'avait pas dit pour les gens qui ont pris pour fonction de répercuter son message, de faire attention à ne pas faire désespérer les gens de la clémence divine ou de les emmener ailleurs. Écoutez, il faut avoir en mesure ça, assumer ses responsabilités, mais c'est vrai, travailler avec beaucoup de sérénité, parce qu'on peut parfois se dire, écoutez, face aux moyens financiers, matériels dont disposeraient certaines églises à travers le monde, qu'est-ce qui est à notre disposition? Le nombre de chaînes télévisuelles, le nombre de ceci, cela. Malgré ça, l'islam continue à progresser à travers le monde. Et là, on l'imagine le moins. Même en provoquant des événements, parce que je dis bien provoquant des événements tels que 11 septembre 2001 aux États-Unis, les exemplaires du Coran n'ont jamais été vendus autant aux États-Unis que depuis cet événement, oui, parce que les gens sont curieux de savoir qu'est-ce que c'est que cette religion, en quoi consiste ce livre révélé. Donc, alhamdoulilah, nous n'avons pas à avoir peur pour l'islam, nous avons à avoir peur pour nous-mêmes d'être défaillants. Absolument. De ne pas être à la hauteur de ce message. Je voudrais que les plus jeunes puissent lire ce livre tel que qui a été écrit par Dr Youssef Al-Qaradawi, Fiqh Al-Awlawiyyat. Moi, j'ai l'impression que cette jurisprudence des priorités n'est pas toujours assimilée par un nombre de gens. Parce que parfois, on s'attache à des détails qui n'ont plus cours aujourd'hui et qui paraissent très importants pour un certain nombre de personnes et qui, ces détails, risquent de faire fuir les gens du message de l'islam. Oui. Alors que les choses essentielles, la foi en un Dieu unique, la foi en la résurrection, la foi au paradis et à l'enfer, la foi, etc. Ce sont les choses qui sont centrales dans le message de l'islam. Voyez le nombre de ayats qui parlent de la foi dans le Coran, qui parlent de la résurrection, qui parlent du jugement dernier, qui parlent de la demeure de la félicité, c'est-à-dire le jardin de l'Éden, oui, ou les demeures de la turpitude, c'est-à-dire la Géhenne, etc., par rapport au nombre de ayats qui pourraient parler de la qualité, et il n'y en a pas d'ailleurs, la qualité du siwak, ou sa longueur, oui, ou sa couleur, ou son prix, sur la taille du qamis qu'on porte, sur la qualité du khal qu'on met sur les yeux, etc. Est-ce que ce n'est pas le livre de Dieu qui donne le véritable message? Il faudrait être clairvoyant pour mesurer. Tout de même, un livre qui, à longueur de surat, à longueur d'ayat, traite des sujets de la foi. C'est la chose la plus importante. Sauvons les gens du point de vue dogmatique à ce qu'ils viennent à véritable foi. Je suis certain que leur foi leur servira ensuite par ailleurs de véritable tremplin pour dépasser toutes les imperfections qu'ils peuvent avoir antérieurement. Avec cela, il y a aussi ce que nous appelons l'irjaz tchri'i, une sorte d'insupérabilité juridique qui a fait que même dans ces moments les plus difficiles, cette nation, toutes ethnies confondues, a pu quand même se faire son petit bout de chemin. Parce que sous les différents colonialismes, la nation a été livrée à elle-même pratiquement, sur le plan social. C'est-à-dire qu'on subsistait selon ce que voulait le colon. Mais grâce justement à cet esprit que donne le droit musulman, les gens ont pu justement faire leur chemin, faire preuve d'endurance face à tout ce qui, aux guerres, face aux brimades, etc.
Et puis, tout le monde a pu justement suivre tout cela. Et ça a perpétué la religion. Vous savez, ce qui attire aussi, ce qui fascine aussi un peu les Occidentaux dans l'islam, c'est cette fermeté, cette solidité, cette symbiose qui existe dans l'islam. L'islam est le même 14 siècles après sa révélation. Le Coran est le même, la Sunna est la même. Par rapport à d'autres religions qui ont connu beaucoup de changements, qui ont essayé de s'adapter aux circonstances historiques en abandonnant certains de leurs dogmes, alors que l'islam est resté tel quel et il résiste encore. Ça me rappelle une citation du grand penseur Nijmuddin Bahmat, rahimahullah, le grand penseur afghan, je crois. Afghan, russo-afghan, il était russe oui, et en même temps afghan, qui disait justement l'harmonie entre le politique et le spirituel en islam. Et la dernière ligne de démarcation à laquelle s'attachent les musulmans, il dit le jour où il y aura séparation entre le spirituel et le politique en islam, ça ne sera plus l'islam. Ça sera une autre civilisation, appelez-la comme vous voulez, mais ça ne sera plus l'islam. Cette particularité justement de l'islam, cette symbiose entre le politique et le spirituel, entre le matériel et le spirituel, c'est ça justement qui donne à l'islam sa caractéristique propre. Et qui fascine justement beaucoup d'Occidentaux et qui a permis à l'islam justement et musulman de traverser les vicissitudes de l'histoire sans aucun dégât, sans encombre. Et l'islam est toujours le même, tel qu'il a été révélé il y a 14 siècles de cela. Très bien, donc l'islam est toujours le même, 14 siècles après sa révélation. Nous avons parlé ce soir de ce qui pouvait fasciner les non-musulmans et les ramener à l'islam, ce qui nous amènera la semaine prochaine à parler d'islamophobie, ou du moins de ce qui a été baptisé islamophobie. Alors d'ici là, nous vous disons « Nastaoudi'ukumullah alladhi la tadi'u wa da'i'ah, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ». Merci messieurs. أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة وإن الله وتر يحب الوتر رواه مسلم.